Alors, dans cette vidéo, on va admettre, on va parler de l'exercice donc du sujet de la DEC de 2012, qui est dans la feuille d'exemple plus. On va admettre ce résultat que je vous ai écrit et le résultat de la question B. Et là, mon but, c'est uniquement de traiter un A qu'on sait faire, un C qu'on peut faire derrière, et c'est pas une question à passer, faut réfléchir un tout petit peu, mais même avec ce qui était mis dans le sujet, on peut s'en sortir. Et je vais surtout traiter la question 2 qui ressemble un peu à celle qu'on a faite mardi matin en classe, qui porte sur le transfert de loi entre une variable à densité x qui est une loi. Non, enfin t, on aurait mieux appelé là, et on la transforme en une loi discrète. Donc je veux juste traiter ces trois questions-là, 1A, 1C et 2. On traitera dans une vidéo une autre question qui est importante, qui est le transfert de loi qui se fait en 4B de ce même exo, parce que c'est du cours de deuxième année d'informatique. Donc on le fera. C'est un exo très 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 bien. Les autres questions, je ne les traiterai pas. Je verrai. Peut-être que je vous ferai la 1B. Juste en calcul à la fin, et uniquement si vous voulez, pour votre culture, pas pour faire avancer le cours de maths. C'est des calculs faisables, mais il faut mener bien ces calculs. Enfin, c'est des calculs que vous aurez encore le temps de développer l'année prochaine. Alors allons-y pour 1A, 1C et 2. Donc on vous donne xn qui est une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi exponentielle de paramètres lambda. Et on vous demande une densité de la variable moins x fois x0, où pour petit x c'est un réel strictement positif. Bon, on va commencer par ça. Donc x0 suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Vous devez savoir deux choses. Ça veut dire que la densité f de x, elle vaut 0 si x est négatif ou nul, et elle vaut lambda exponentielle moins lambda x si x est strictement positif. Et sa fonction de répartition, fx, ça vaut du 0 si x est négatif ou nul, et ça vaut du 1 moins exponentielle moins lambda x si x est strictement positif. Ok. Ça, c'est ce que ça nous dit. Et nous, on nous demande une densité de moins x fois la variable x0, moins x est un réel fixé. Alors attention, comme moins x est un réel fixé, pour trouver une densité de cette variable, c'est un transfert de loi, ça c'est une nouvelle variable, on peut l'appeler y, entre guillemets, cette nouvelle variable. Donc on va aller chercher la fonction de répartition de moins x0, mais attention, puisqu'on cherche et qu'il y a un petit paramètre x qui est fixé, on ne peut surtout pas mettre de x là-dedans. Donc moi je vais mettre du t par exemple, ça c'est la probabilité que moins x fois x0 soit plus petit que t. Donc ça, en multipliant par 1 sur moins x, qui est strictement négatif, c'est la probabilité que x0 soit plus grand que moins xt, pardon, moins t sur x. Et ça, maintenant, ça va dépendre de deux situations. Si t est positif, parce que maintenant ce calcul-là, il se fait, on peut le voir aussi, je vais l'écrire comme ça en fait plutôt. Ça devient du coup l'intégrale de moins t sur x à plus l'infini de f de u du, avec la fonction f qui est donnée là-haut. Sauf que l'expression de f changeant au niveau de 0, on va séparer en deux cas. Si t sur x, moins t sur x est négatif ou nul, donc ça c'est équivalent en fait tout simplement à ce que t soit. Pour que moins t soit négatif, c'est équivalent à ce que t est positif, pardon. Strictement. Ça devient tout simplement donc f de moins x fois x0 de t, ça devient l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle moins lambda x, enfin du, lambda u, du. Forcément, vu que si ça c'est négatif, je prends toute l'intégrale, et puisque je prends toute l'intégrale, clairement, la valeur de cette intégrale vaut 1. Et si maintenant moins t sur x est strictement positif, donc ça revient à dire que t, ça soit positif, il faut que t soit négatif, f de moins x fois x0 de t, ça devient l'intégrale de moins t sur x, mais dans ce cas-là on a la bonne expression lambda exponentielle moins lambda u du,
Donc ça va se primitiver, ça va faire du lambda à prendre en exponentielle de moins lambda u sur moins lambda, à prendre entre plus l'infini et moins t sur x. J'ai plus de place, je vais effacer et reprendre là-haut. Donc j'aurais écrit que f de moins x fois x0 de t, ça valait 1 si t est positif, et ça vaut lambda fois exponentielle moins lambda u sur moins lambda à prendre entre plus l'infini et c'est-à-dire moins t sur x. Donc les lambdas vont se simplifier. Normalement, il faut revenir à une bonne bande finie. Donc on peut écrire que c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de ça pris en bande du haut. On met pas plus l'infini, on met un a. C'est plus propre. Ça va me donner donc du moins exponentielle moins lambda a plus exponentielle de il y a les moins, donc ça se simplifie. Je vais avoir du lambda t sur x. Et donc ça, quand a tend vers plus l'infini, ça tend vers exponentielle lambda t sur x. Donc cette fonction de répartition, f de moins x fois x0 de t, ça vaut tout simplement donc 1 si t est positif, et ça vaut exponentielle lambda t sur x si t est négatif. Donc ce serait une fonction qui aurait cette tête-là, en gros la fonction de répartition. Ça se comporte comme une exponentielle avec un paramètre juste en 0. En 0, bah, cette quantité-là, quand t vaut 0, ça fait 1. Et ensuite, ça fait ça. Sauf que là, on nous demandait une densité de cette variable. On n'a pas donné une densité, on a donné la fonction de répartition. Donc, clairement, ça implique que c'est une variable à densité. C'est clairement une fonction continue et dérivable. Et une densité f de moins x0 de t. Bah, ça vaut 0 si t est positif, et c'est une variable qui est tout le temps négative, en fait. Elle a pour dérivée, alors attention, c'est bien t la variable, donc il y a du lambda sur x qui sort, exponentielle de lambda t sur x. Lambda t sur x quand x est, quand t, pardon, est négatif ou nul. Donc pas une question, enfin pas si compliquée que ça en termes de calcul, mais il faut vraiment pas se perdre avec les lettres, avec la lettre t, la lettre petite x, la variable x0, faut connaître son cours sur la variable exponentielle. Donc une question déjà riche pour la question 1a. Mais donc maintenant on obtient bien la densité de cette variable, ok. Cette densité de variable est nécessaire notamment à la question 1b que l'on va passer nous. On va revenir sur la variable, la question 1c maintenant. Dans la question 1C, on va voir que la question 1C est fortement liée au résultat qui est mis dans le sujet, on va le voir très vite. Dans la question 1C maintenant, donc il faut quand même lire la question avant, on vous fait trouver la loi de x1 moins x, x0 et on dit que c'est une variable à densité qui est une densité qui est ici. Et maintenant, on vous demande de trouver la fonction de répartition de la variable t qui est définie par la variable x1 sur x0. Donc, juste si on veut écrire le concept initial, c'est que la probabilité que t soit plus petit que, je sais pas, encore une fois, il y a un x fixé, hein, donc on veut le prendre, donc t plus petit que petit t, c'est la probabilité de x1 sur x0, comme le x, non, on va utiliser x, vous allez voir pourquoi, c'est pour tomber pile sur les bonnes lettres, ça fait probabilité de x1 sur x0 plus petit que x, et ça c'est la probabilité de x1 plus petit que x fois x0, vu que x0 est une variable exponentielle, c'est positif, ça ne pose pas de problème. Et ça, c'est la probabilité de x1 moins x, x0 est négatif ou nul. Donc, c'est lié à la densité de la variable qui a été donnée à la question B. Donc, c'est ça tout le principe de la question 1C. On nous a donné une densité à la question 1b qui est donnée par cette expression-là, et nous on veut la probabilité que ce soit négatif, c'est-à-dire qu'on veut l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de z dz avec f, la fonction qui est donnée ici. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à 0, et donc elle est là cette intégrale, et faut utiliser cette expression-là. Donc lambda sur x plus 1 exponentielle lambda z sur x. Donc allons-y.
Donc calculons la probabilité, pardon, que t soit plus petit que x. On a dit donc que c'était la probabilité que x1 moins x0 soit négatif. Et donc ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de lambda sur x plus 1 exponentielle de lambda z sur x dz. Alors attention encore une fois, la seule chose qu'il faut bien maîtriser et ne pas se tromper dans cette intégrale, c'est quelles sont les variables. La variable c'est z, tout le reste sont des constantes. Donc on peut tout à fait calculer ça en sortant les constantes, du lambda x plus 1. Et on va calculer ça comme maintenant la limite quand a tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à 0 de exponentielle lambda z sur x dz. On sait primitiver ça. Ça va faire du lambda sur x plus 1. La limite quand a tend vers moins l'infini de ça se primitive tout simplement si la constante qui est devant c'est du lambda sur x, on divise par lambda sur x entre 0 et a. Ça va donner du lambda sur x plus 1 et la limite quand a tend vers moins l'infini de exponentielle 0. Il va me rester du x sur lambda si je remonte tout au numérateur, moins x sur lambda aussi, et exponentielle lambda a sur x. Alors comme tout est positif sauf a qui tend vers moins l'infini, cette exponentielle tend vers bien vers moins l'infini, enfin le terme dans l'exponentielle tend bien vers moins l'infini, cette exponentielle donne donc 0 à la limite, donc ça me donne du lambda x plus 1 fois du x sur lambda, ça donne tout simplement du x sur x plus 1. Donc voilà la loi de notre variable t, c'est une loi qui est donnée par du x sur x plus 1. Voilà. De répartition. Alors, donc voilà, c'est pas un calcul super dur. La petite traduction qui a été faite à la page d'avant pour expliquer ça, voilà, c'était juste pour montrer que dans un sujet où même si vous devez passer des questions, parce que ça c'est une question dure de deuxième année, faut pas avoir peur de retomber sur ses pieds, d'admettre le résultat et de s'en servir pour passer aux questions d'après. Maintenant on peut faire la question 2 qui était le cœur de ce que je voulais faire surtout. On va poser maintenant la variable grand X qui vaut tout simplement partie entière de t plus 1. Donc clairement, x est une variable discrète. D'ailleurs, on vous demande de trouver la probabilité pour tout n appartenant à n étoiles, la probabilité que x soit égal à n. Donc on demande de trouver la loi de x. Donc c'est exactement ce qu'on a fait mardi matin en classe. Donc on va retravailler ça par rapport à la variable. Donc ça, c'est la partie entière de t plus 1 qui vaut n. Donc ça, c'est bien la probabilité de la partie entière de t qui vaut n moins 1. Et donc vous devez savoir faire ça, la probabilité que une partie entière vaut n moins 1, c'est que le nombre soit compris entre n moins 1 et n strictement. Faut le savoir l'écrire. Alors je rappelle que t, on vient de trouver que la probabilité de t plus petit que x, c'était du x sur x plus 1. Alors pour faire ce calcul de probabilité, on peut, donc cette variable est à densité, donc on n'a pas calculé une densité, ça c'est la fonction de répartition. Donc on pourrait calculer FT, entre guillemets, la densité, et écrire que ceci, c'est l'intégrale de n moins 1 à n de FT de TDT. Mais en fait, ici, on peut s'en sortir autrement. Tout simplement, c'est de la compréhension d'événements. Ça veut dire quoi qu'une variable est comprise entre n moins 1 et n? Ça veut tout simplement dire que la variable est plus petite que n, mais qu'elle n'est pas plus petite que n moins 1. Des strictes, des larges, de toute façon, pour une variable à densité, c'est la même chose. Tout simplement parce que t est compris entre n moins 1 et n, c'est juste dire que t appartient à cet intervalle-là. Et je traduis ça en disant, ça veut dire que t appartient à l'intervalle, pardon, moins l'infini n. Et cet intervalle moins l'infini n, je le prive de l'intervalle moins l'infini n moins 1. Et clairement, si je prive l'intervalle moins l'infini n moins 1 de l'intervalle moins l'infini n, j'obtiens clairement l'intervalle n moins 1 n. Donc cette probabilité-là est la même que celle-ci. On aurait pu repasser par un calcul de densité, mais ce n'est pas demandé dans le sujet, et ce serait une perte de temps. Bon, ça change strictement rien sinon. Il faut penser à savoir le faire et pas avoir peur, mais on peut le calculer comme ça. Donc maintenant la probabilité que ce soit plus petit que n, ça vaut du n sur n plus 1. Bon, la probabilité que ce soit plus petit que n moins 1, ça vaut du n moins 1 sur n. Il faut mettre ça au même dénominateur, le dénominateur commun c'est n plus 1,
Au troisième dénominateur, je vais montrer que L carré moins N moins 1 fois N plus 1. Voilà, donc il faut développer ça. J'ai du N carré moins N carré qui simplifie. Je vais me retrouver avec du N moins N qui va simplifier. Il va juste nous rester du 1. Donc ceci, ça fait du 1 sur N N plus 1. Et c'est exactement le résultat qui était demandé dans l'exercice. Voilà pour cet exercice. Les autres questions, les questions 3, etc., m'intéressent moins. Je voulais revenir sur un deuxième exemple de transformation de loi densité en loi discrète, donc cette fameuse question 3. Et pour faire cette question 3, il me fallait la question C. Et j'ai fait la question A juste parce qu'elle était faisable. Voilà!